chers amis, Madame la Présidente, en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce dont on est persuadé, c'est que le terrorisme n'est pas qu'islamique. Il est très capable d'être chrétien, il est très capable d'être juif, il est même capable d'être bouddhiste. Tout cela, nous devons nous en souvenir, car à la fois nous en sommes victimes, mais nous en sommes un peu responsables. Nous n'avons pas fait attention, nous avons donné notre confiance à des gens qui ne le méritaient pas, etc. Tout cela, nous devons le savoir. Et nous devons peut-être nous souvenir, revenant au Moyen-Orient, que ce terrorisme sunnite qui nous inquiète aujourd'hui, en réalité, il a une origine chiite, car c'est bel et bien le régime iranien qui a lancé ce mouvement, et qui l'a lancé il y a déjà longtemps, avec pratiquement tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, la mise en scène d'exécutions capitales, des scènes d'hystérie collective, le terrorisme utilisé comme un moyen de diffusion d'une pensée. Magistrat d'origine, j'étais bien placé pour être sceptique. Et j'aimerais simplement, ayant aussi été député de la majorité actuelle, rappeler quelque chose qui n'a pas été dit aujourd'hui. C'est que cette information qui a abouti à ce beau résultat, elle ne date pas de 12 ans, elle date de quelque chose comme 14 ans. Ce qui en clair veut dire que dès le début, on se doutait bien que c'était une affaire où l'artificiel, le faux, l'emportait sur la vérité. Je crois utile de le redire, parce que quand je fais le déroulé de toute l'affaire, je me rends compte que beaucoup de gens ont menti sciemment, et au bout d'un certain temps, même si leur bonne foi avait pu être surprise au début, ils ont menti pour faire semblant d'avoir eu toujours raison. Ceci est quelque chose dont on doit se souvenir, il ne faut pas l'oublier pour ne pas le recommencer. Pendant des années, mes amis m'ont dit « Mais enfin, tu ne peux pas faire confiance à des gens qui sont capables de faire cela. » J'ai donc interrogé quelques-uns de ceux que vous avez vus ici. Et ce qui m'avait frappé, et qui m'a paru une parole de vérité, c'est que ces gens qui avaient connu un régime épouvantable, dans lequel on a assassiné les gens dans la rue, sans procès, dans lesquels on a pendu, dans lesquels on a torturé, ces gens ont été persuadés que la France allait expulser vers l'Iran tous les opposants. Et ils pouvaient le croire, car quand on commence de violer la légalité comme on avait fait, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et ils avaient raison d'être parfaitement inquiets. Je me demande même ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu une mobilisation en votre faveur à ce moment-là. Je ferai tout, Madame la Présidente, pour vous aider à y arriver.